Ce n'est que lorsque nous n'avons plus la possibilité d'être libres et de vivre librement que nous nous rendons compte de la chance que nous avions auparavant. Même si vous pensez que votre vie n'est pas assez bien aujourd'hui, dites-vous que vous avez beaucoup plus de chance que ce que vous ne le pensez. Parfois même une bouffée d'air peut être une bénédiction. Un restaurant partagé entre amis, une poignée de main, sauter dans un avion pour partir voyager à l'autre bout du monde. Ou bien encore un câlin avec un être cher. Mais il nous aura fallu une crise sanitaire, une pandémie mondiale pour nous rendre compte que les choses les plus simples sont parfois les plus précieuses. Quand tu commences à changer les choses qui te pèsent, qui te déplaisent, quand tu apprends, quand tu évolues, quand tu te répares, ce n'est pas facile chaque jour. Et ça l'est encore moins dans les débuts, les premières heures. Il y a des moments où tu vois que tu avances dans la bonne direction, d'autres où tu te demandes si tu n'es pas en train de te perdre. Il y a des fois où tu te sens serein, en phase avec toi-même, et d'autres où tu as l'impression d'effacer des parties de toi, de ne plus être la même personne. Sur certains aspects, tu sais que tu progresses. Et puis il y en a d'autres où tu doutes parfois d'en être capable. Et c'est pour ça que tu dois constamment te rappeler les raisons qui t'ont motivé au départ. Te rappeler que les difficultés que tu traverses deviendront des souvenirs un jour. Et que tu seras toujours fier de ne pas abandonner ce qui te tient à cœur. Ne baissez jamais les bras. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas. Ne vous fixez pas de limites. Et surtout, n'arrêtez jamais d'y croire. Et ça y est, c'est parti, je choisis de quoi m'habiller. C'est quelque chose qui peut me prendre, je vous avoue, un certain moment. Et puis il y a des matins comme ça où ça peut être rapide. Je file à la salle de bain, je me fais un make-up rapide. Petite toilette de chat et c'est parti, la journée démarre. Ça y est, je vais commencer mon petit ménage de tous les jours. J'ai tout ouvert la baie vitrée parce que ça y est, il commence à avoir quelques rayons de soleil et c'est super agréable. Et j'avais envie d'allumer une petite senteur. Je suis toujours avec les senteurs de ODB Senteur.
J'avais un code promo, je pense qu'il est toujours d'actualité. Je vous le remettrai en barre d'infos s'il faut. Là, j'ai mis une pastille linge propre. C'est de loin mes préférés, même s'il y en a énormément qui sentent très bon. Celle-ci, c'est vraiment mon best à moi. Et ça fait plusieurs heures pourtant qu'elle brûle. Et voyez, il m'en reste encore un petit peu. Donc, je vais finir de la brûler. Ça fait tellement un courant d'air avec la baie vitrée. En fait, je pense que ça va s'éteindre. Je vais essayer de la mettre un petit peu à l'abri ici. Ouais, c'est vrai, bon, elle va pas s'éteindre. Je vais commencer par retaper le salon vraiment rapide. Il n'y avait pas grand chose à faire, juste les coussins à remettre en place, un petit peu les plaids. Et puis c'est bon, ensuite je passe à la cuisine, je re-remplis le lave-vaisselle. Et ensuite, j'avais ma plaque à induction qu'il fallait absolument que je fasse. Donc, j'ai laissé agir du produit, c'est du VitroClean, que j'ai laissé agir pendant un moment. Et ensuite, je suis venue racler avec une petite raclette. Ne vous faites pas avoir comme moi, je l'ai acheté à Monsieur Bricolage, ma raclette. Alors qu'en fait, ils les font chez Action pour 5 fois moins cher. Et en plus, vous avez des petites lames de rechange, chose que je n'avais pas. En plus dans ma raclette de Monsieur Bricolage alors qu'elle était beaucoup plus chère. Donc sincèrement c'est un petit ustensile même pour nettoyer le four, c'est vraiment génial, mais celle d'Action est vraiment très bien, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus cher dedans. Et puis là comme d'habitude je vais réaliser mon petit spray habituel que j'utilise tout le temps. Je vais venir mélanger du gel Power, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Monsieur Propre. Pour celles qui viendraient d'arriver, c'est un gel que je trouve à Action, qui a une odeur de dingue. Et donc je viens le diluer avec de l'eau dans un ancien spray d'un autre produit. Et je m'en sers pour toutes mes surfaces. Alors ça y est, le plus pro du ménage est fait dans la pièce de vie, dans le salon et dans la cuisine. Je vais lancer le robot Rock. Du coup, il va me faire aspirateur et serpillière tout seul comme un grand. Je vais juste mettre bien les banquettes comme il faut sur le tapis. Et pour que ce soit vraiment un lavage optimal, je vais mettre tous les tabourets de la cuisine sur l'îlot. Et moi, pendant ce temps-là, je dois aller en point relais récupérer un colis Vinted. C'est une veste que j'avais achetée pour ma fille. C'est une surprise. Je pense qu'elle va être contente. Elle la voulait depuis longtemps. Je voudrais aussi aller à Action parce que du coup, c'est le confinement. Alors moi, je travaille. Donc clairement, il n'y a pas de confinement pour moi. J'irai au travail comme d'habitude tous les jours. Par contre, pour mon fils, le temps risque d'être un petit peu plus long. Une partie du confinement, mon mari pourra être présent à la maison. Quand il ne le sera pas, ce sera moi. Et je dois avoir la 3e semaine, il me semble, de repos. La première semaine, c'est mon mari. La 2e semaine, il va falloir qu'on alterne... Shaina va avoir 14 ans, donc elle peut se garder quelques heures toute seule, il n'y a absolument pas de souci avec ça. Mais mon petit de 7 ans, c'est hors de question, il est trop petit. Et je ne veux pas mettre sur la responsabilité de ma grande de le garder sur des longues heures et sur des grosses périodes. Donc il va falloir qu'on se débatouille et qu'on trouve des solutions pour pouvoir le garder lui. Et du coup, tout ça pour en revenir à Action, je veux l'occuper un maximum. Bien sûr, j'ai fait le plein en cahier de vacances. Il a du progrès à faire sur du graphisme, donc j'ai repris des cahiers de graphisme comme ça, avec, vous savez, des lignes entières pour bien refaire des lettres et tout ça. On va reprendre temps. Et alors qu'en CP, il écrivait, mais vraiment hyper bien. On aurait presque dit une écriture de collégien. Et là, cette année, alors est-ce que le confinement de l'année dernière, je pense que ça a joué aussi énormément, mais il a énormément perdu en graphisme. Donc, il faut qu'on récupère ça. Donc, j'ai acheté plein de cahiers pour réviser tout ça. Mais je voudrais aussi du temps libre et du loisir créatif. Donc je voulais acheter de la pâte à modeler à cuire à Action, il y en a tout le temps. Refaire le plein en peinture, en blocs de feuilles. Souvent ils ont des grands blocs de feuilles à 3. Ils ont aussi des petits blocs de feuilles avec plein de couleurs, plein de paillettes. Bref, pour faire des découpes au tampon, pour faire des choses. Hein, voilà, ça va l'occuper. Je pense qu'en pinceau, il va falloir que j'en rachète aussi. Et ce soir, il y a 2 copines de ma fille qui viennent dormir à la maison. Donc, il va falloir que j'achète des pizzas pour qu'elles se fassent ça tranquille au four ensemble. Moi, mon mari et mon petit, je ne sais pas encore ce qu'on va manger. Mais pizzas, ça ne me tente pas trop. Donc, je vais revenir dans le magasin ce que je trouve. Du coup, c'est parti. Je vais pouvoir faire tout ça pendant que le super robot Rock travaille pour moi.
Ah si, faut pas que j'oublie, faut que j'aille aux poubelles. J'ai mis tous les sacs poubelles devant la porte d'entrée. Faut absolument que je les emmène. Alors voilà nos petites trouvailles qu'on a fait à Action. Donc on a pris des gros pots de peinture comme ça. Ça fait des petites bouteilles, je trouve, avec le conditionnement, il est sympa. Donc il y a à chaque fois des mélanges de couleurs différents. Celui-là, je le trouvais trop joli. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est que des paillettes. Je le trouve trop, trop joli. Celui-là aussi. Enfin, il y avait plein de couleurs vraiment jolies. On a pris aussi de la pâte à modeler à cuire. Hop, avec différentes couleurs. Donc à cuire, j'imagine que ça doit durcir du coup en les passant au four après. On a pris un bloc comme ça de feuilles de plein de couleurs. Et c'est pareil, il y en a quelques-unes avec des paillettes qui sont très très jolies. Canon, hein ? Pour découper dedans, on verra bien ce qu'on en fait, mais c'est vraiment très joli. Un grand bloc comme ça de feuilles en format A3. Donc un grand bloc et... Ça, c'est des masking tape, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est des rubans adhésifs. Du coup, c'est pareil quand on fait une jolie peinture ou que tu fais un joli dessin, mais on aime bien en coller dessus. Donc du coup, là, j'ai pris deux petits trucs. Pour la totalité, j'en ai même pas eu pour 20 euros. Ça, c'était, il me semble, 3 euros quelque chose. Ça, c'était une histoire de quelques centimes. Ça, c'est pareil, ça devait être aux alentours de 3 euros. Ça, c'était 1 euro quelque chose. Et ça, pareil, c'était pas très très cher. Hein. Les blocs comme ça, je crois que c'était moins de 2 euros. 1,90€ peut-être, ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc du coup, ça nous fait plein de petites choses pour s'occuper un moment. Un ensemble de pinceaux qu'on avait pris chez Action il y a un petit peu. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu sous un format un petit peu vlog pour changer. Je vous dis à très bientôt. Ciao! My love is true. Let's make things right. I understand what you're going.